Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures irrémédiables et hivernales sur A Plague Tale Innocence. Rappelez-vous, lors de l'épisode précédent, nous avons joué Hugo qui a retrouvé sa mère et qui a été capturé par les méchants, par l'Inquisition qui a été excommuniée par l'Église, châtiée, reniée, bref, ils sont les plus grands méchants de l'univers, insondable, impitoyable, hivernal, et immuable, et table, et orignal de cet univers. Le soleil va bientôt se coucher. Pour manger de la ricorée. J'espère que Hugo le voit de là où il est. N'hésitez pas, sérieusement, à rejoindre en description de vidéo. Description de vidéo, il y a des liens, le Discord et la chaîne Twitch, c'est très important, je le redis à chaque fois, mais c'est très important. Ça permet de rejoindre Twitch, il y a des lives le mercredi soir et le dimanche soir, je le redis, c'est très important et on s'amuse comme des fous. Allez Zou, on est parti. Zou, on prend ça, qu'est-ce qui se passe Lucas? Tu veux faire l'amour avec moi? Nous pouvons. Et en plus regarde, j'ai une pote bête sur moi, elle n'est pas forcément morte. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Ah. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Oh bah... Tu as encore rêvé de lui? Non, oui. Mais de toi, oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Hein? Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Eh oh, 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 c'est avec moi, c'est pas avec Mélie, hein. Oh, oh, oh. Je suis quand même plus sexy qu'elle. Quand même. Calmez-vous. Par contre, ils ont vite oublié Hugo, hein. C'est genre, il s'est absenté il y a 2 semaines. Il reviendra pas, c'est fini. Avec la voix toute blasée. Non, non. Cette dinguerie. Alors, bon, ça c'est fermé. Comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. Ah, ouais. Oh. C'est l'arbre où il y avait le collier. Je crois qu'il y a le nôtre, mais il n'y a plus celui de Hugo. C'est comme ça qu'elle a su qu'il est parti. Oui, c'est ça. Toi aussi, tu te sens seule. Hein. Bah oui. Allez, courage. Un jour de plus. Faisons l'amour. Ah mais non, c'est un collier. La fille qui en rute tout le temps. Après, c'est le Moyen-Âge, hein, donc calmez-vous, s'il vous plaît. Hein. On a récolté de la dinguerie. C'est quoi qu'on a récolté? Ça, ouais... J'aimerais bien améliorer ma fronde, hein. Donc on va faire le tour. Si je peux choper des dingueries, on va les choper. Hein. Ces objets, je me souviens de chaque endroit. Ah oui, c'est vrai, on en a récolté. Pas mal. Donc on arrive à la fin du jeu. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Ah, elle aime bien quand c'est poivré. Oh, ça veut tout dire, ça. Hein. Ça veut tout dire. J'ai des images coquines, là. Le mec trop on chiant. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Fort en pommes. Ça, c'est bon. Là, on a quoi? C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça s'est effondré? Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Ok. Alors moi, j'aimerais bien... Il me manque quoi? Il me manque un peu de salpêtre. Pour débloquer ma dernière fronde. Et j'aime bien parce que c'est la fronde ultra silencieuse. C'est la Metal Gear fronde. Tout, 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 tout. Ah, ça va être super. Ça va être super de dingue. Est-ce qu'on a autre chose à fouiller? Il y a une porte là, c'est quoi? Ah bah tiens, ça c'est déjà cadeau ça. Ah, on va pas aller vers le... Vers le l'alambic et tout là de Lucas là? Si, bingo. C'est quoi ça, de la corde? Ah ah! 8 sur 16. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Et merde. Je sais où il dort maintenant. Je vais aller le rejoindre la nuit. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. Bah ouais, mais en vrai, tu râles ma grande, mais c'est grâce à lui si on a... Un peu sauvé Hugo, quoi. La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo, bravo Lucas, t'es un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Zou, nickel. Est-ce qu'on a... Oh oui, attendez, mais ça veut dire que...
Ça veut dire que là, on peut, la fronde ne fait plus de bruit. Ça, boum, ça va me simplifier la vie. Ça, c'est fait. Un GG quand même, s'il vous plaît. C'est formidable. Comme ça, je reprends la corde qui est ici. Et on a tout pris. Ok. Et je vois qu'on peut continuer à descendre. Par contre, notre pantalon, il est complètement mort. Là, je suis en train de voir, regardez. J'ai des trous sur les cuisses. C'est quoi ce bordel, là? Ça va plus, hein. Ah oui, je me souviens. Oh, mais ils l'ont aménagé, ça. Il n'y avait pas tous ces bancs, là. Je prends. Excusez-moi. Si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié. Ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Avec Lucas qui fait... Au-dessus, c'était... Je sais pas si on l'entend. Lucas ? Oh, finesse. Lucas, tu fais quoi ? J'essaye d'ouvrir la serrure. Mais avec quoi ? Avec ma bite. Allez, hop, on a fait la fronde. Au moins, ça c'est fait. Et pas la fronde. Bingo loto. On va aller voir les autres. Palabin, 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 palabin. Ah, oh. Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh. Salut, Amicia. Ouais. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. En pleine tempête, là? Envie, c'est tout. Et tu vas geler. Tu vas geler sur place, gars. La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Faut rallumer les feux de tout ce qu'on a à rallumer. Oh là là. Quand tu veux, Amicia. Ouais. Bah attends, déjà je vais récolter s'il y a des trucs. Je vois que ça brille. Donc vous allez vous calmer de suite. Voilà. Je vois qu'il y a des feux à rallumer partout. Genre là. C'est fait. Pourquoi c'est pas rallumé? Comment ça se fait? Ça devrait être tout le temps que ce soit allumé, même tout ce que... Oh purée, à ce distance. Oup, les géants. Oh oui. Oh là là. T'en penses quoi? Hein? Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine. Désolé, bah, c'est oui, mais... à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Bah c'est surtout, c'est la même routine, mais... Ça va? Faut qu'on avance, quoi. T'es pas mal pour une vieille. Oh, toi aussi t'as envie de... Tu sais, je suis un peu chaude, hein, attention. Il bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Le mec. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. C'est le Moyen-Âge, rien à foutre. Un héros d'un livre. Un héros? Ouais, il aurait été triste que tu partes. Après, si tu veux te barrer, tu peux te barrer, mais là, on est en plein hiver, quoi. C'est un peu... C'est un peu dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'il a, Rodrigue, à gueuler? Bon. Ah oui, je sais pourquoi il gueule. Parce que je ne veux pas de lui. Tout tourne autour de Amicia, hein, je vous l'ai dit, hein. Attention. Zou, ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Grâce à un récipient plus épais adapté à sa fronde, Amicia peut désormais lancer Luminosa sans risquer de le briser. C'est quoi Luminosa d'ailleurs? Ah ouais. Ouais. Bon, on va garder. On va pas non plus hein, voilà quoi. Ça suffit, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'as à râler? Ouais, ça va. Oh. Hein, qui va marcher? Eh, le pète pas. Va marcher. Eh, gars, hey, tu calmes. Ah ouais, tu non mais. Tout voilà, ça marche. Et maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Rodrigue. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Hop. Par contre, je comprends pas pourquoi les braseros sont... C'est quoi ce merdier? Pourquoi ils sont éteints? Si vous voulez des rats jusque dans votre lit, faut le dire, hein, les gars. Non? Ah, c'est une dinguerie, ça. Voilà, parfait.
reprends. Je reprends. Ok. Faut que je monte, c'est ça? Attendez, dinguerie là? Non, y'a rien. Ok. Amicia, faut qu'on en finisse avec oui, les bras. Oui. Calmos. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, on est parti. Et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, ouf. J'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. Ah oui. J'allume cela. Ça parle mal, hein. Ouah, la vache. Là, on s'est immiscé dans leur vie à eux deux. Et on lui dit, non, la personne avec qui t'es depuis 15 ans, tu la connais pas. Hein. Y a que moi qui la connais plus que toi. Non, tu te tais. On connaît pas Mel. Hein. Donc, tais-toi. C'est genre... Tais-toi, Amicia. Ça te concerne pas. Allez. Hop. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Ah, ça c'est... Eh, Lucas, drague pas trop, hein. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Et oh là, ça va pas le faire là. Là vous voyez, ça me tend le fiacre. Oh, c'est quoi ça? On a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Tac tac tac. Parfait. C'est quoi que je peux faire? Sac à munitions. Grâce à... Oh, mais ça je veux. Ça je veux, mon neveu. Ça m'a l'air bien mieux. Ah bah ouais. Encore plus de mini beach. Là on a ça, ok. Et on a quoi en bas? Oh! Des outils! Des gros outils de fou! Bon bah on a tout récupéré. Ah, quoique je peux avoir plus de munitions. Normalement 13, 14. Ok, on en avait que 10 hein, je crois, de mémoire. C'est une bonne chose. C'est parfait. Allez! On y va! Amenez-moi vers les blessés! Et ben comme ça, ça sera plié! Voilà, c'est bon pour moi! Phew! Y'a un problème? Oh là! Ah non! Oh, de toute façon, on a mis les bras zéro donc. Ah mais non, y'a les trucs qui peuvent les éteindre là, les tourbillons de rats là, je me souviens. Oula! Et ça, c'était au programme de la visite? Oh là là! Oh non! Non, mais vous avez mangé des slobos, hein! Ils sont trop nombreux! Et merde! Rentrez, je m'en occupe. Je vais me foutre à poil. Ça t'a plus débordé. C'est jamais arrivé avant. Merde, il y en a jamais eu autant. L'échelle rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Là. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Ouais, t'inquiète pas mon grand, t'inquiète pas. OK, on est parti. On a re du merdier qui a popé hein. Oui, on a du merdier qui a popé. Brassier en place. Ouais. Wow. Se regroupe. Ils vont éteindre les feux. Voilà. J'ai plus d'inhiper, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Ouais, mais je me démerde. Allez. Voilà. Je récupère ce qu'il faut pour pouvoir lancer inhiper, parce que. Je sens bien que ça va être le merdier. Oh là là, vite. Là. Wouh. Eh ben, c'est sportif dans le coin. Allez. Voilà. Bordel, je croyais que cet endroit était à l'épreuve de tout. Il est à l'épreuve de tout. C'est pas bon du tout. Je dois atteindre l'échelle de l'enfant rouge ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche en brasier.
Ouais, approche-le, approche-le. D'accord, je compte sur toi. Hop. Envoie la d'autre. Voilà. Voilà. Wouh. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Parfait. C'est bon, je suis là. Je te ramène vers l'échelle. Allez, Alicia, t'as connu bien pire. Et de 1. Et de 2. On y arrive. Yes. Je te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît. Fais vite, fais faire Vex. J'en sais rien. Je dis des trucs. J'ai des trucs dans ma mémoire là. J'ai l'impression d'être en 2024. Voilà, regardez! Voilà! Hop! C'est bon! Allez, une après l'autre! Une après l'autre! Ça c'est bon! Ça c'est bon! Allez, tu y es! Je me casse! Enfin. Ah oui, mais il y a lui aussi qu'il va falloir aider! J'y croyais plus! Ça va? Oui, merci! À toi maintenant! Attends. Laisse-moi faire ça. Voilà. Calmos les haricots, s'il te plaît. Tu t'en sors ? Ouais. Oui, oui, oui. Je préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia ? J'en sais rien. J'ai déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Mais j'en sais rien. Rien, moi. Tu me poses de ces questions ? Sorte d'attaque. Tu te fous de moi ? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent. Ouais. Merde. J'avais bien qu'on aurait dû se tirer. Ça c'est hyper bizarre. Chez moi, Amicia, à la maison. Je m'en occupe. Je ne me sens pas très à l'aise. Voilà. Je peux pas aller plus vite. C'est bon. Allez, on avance. On s'en sort bien pour le moment. On s'en sort bien. Attends, bouge pas. Oui, ben oui, mais je fais ce que je peux, je... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Le mec est pas capable de se défendre, c'est moi qui fais tout depuis tout à l'heure. Je suis là. On y est presque, allez. Hey, il est vachement proche, lui. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. Ah, il a réussi à monter. J'espère qu'ils vont bien. Phew. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ouais, je sais, mais c'est quand même des rats. Je ne veux aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. On a les Davinson, voilà. Bref, on s'en fout. Je suis pas magicien. Je sais. Bon, au moins on les a. C'est bon, c'est fait quoi. Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister. Lucas. À... Ouais, non, mais là il y en a partout. Jamais là. Eu autant. Tu vois bien que ce c'est pas quoi, une simple alors invasion. J'entends marcher. Qu'est-ce que... What? Il est au milieu des rats, lui, maintenant? Vite! Cassez-vous! D'où il est au milieu des rats? Sans rien. Ah non! Ah d'accord! Oh, le traître! Va et fais ce que tu dois faire. Oh, le traître! Oh, le mangeur de Moodcook! Ah, je vais te tirer l'oreille! Viens! Oh l'enfoiros! C'est quoi ce. C'est bien lui! Elle veut pas Amicia! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Les rats! Contrôle, oui! Voilà. Avec la maculation! Ouais, bah on n'a pas le temps, allez, on se casse! Le château a été. Pas de panique à bord! Nan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 
Hugo avec un boss. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitavis te gardera ses coups. Vitavis, Vita Vinaigrette. Reculer pour échapper. Oh non! Mais je vois rien, il faut que je recule. Ok, on recule. Oh là là. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Non. Je vais le chercher partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Il est sérieux, lui? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, lui. Ah, il veut lui faire passer le seuil. Oh là là. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Et il a rien. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Non mais j'ai rien trahi du tout. Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non, Hugo est le seul porteur. J'ai vu qu'il y avait il y avait son sang coule maintenant dans les veines. Arthur là-haut. Arthur, maintenant. Vas-y Arthur. Normalement il meurt avec ça. Ah ouais, normalement. Ah non mais là il est mort. Là il est mort. Il s'est pris des trucs de 200 kilos sur la tronche, il est mort. Hein. N'importe qui meurt, hein, là. On l'a eu, ce sale chien. Amicia. Ouais, lui, il en peut plus, lui. Hein. Oh là 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 là. La vache. Il fait flipper dans Arthur, son habit... Je vais t'assurer qu'il est bien mort. Son habit de machin. Non, mais je parie qu'il est pas mort, l'autre. Hein. Le scénario l'a sauvé. Hein. Je m'occupe de l'autre. Hugo. Ouais, comme les moutons en Australie. Ouais, ça tourne autour de lui. Hugo. Ouais, il fait flipper. Je veux seulement te parler. Ouais, je crois que là, il veut pas parler, là. Il peut plus rien faire, Hugo. Regarde. Ouais, il est mort. Il est pas mort, je veux dire. D'accord. Mais en vrai, il est dead. Hein. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Mais quoi? Quoi, je t'ai menti? Non! Hugo! J'essayais de te protéger! Je t'en supplie! Tu m'as menti! Il allait nous buter? Il allait nous buter! Ok! Merci, Hugo! Ouais, enfin, il a fait. Tu es passé. Ah! Arthur! Arthur! Ça va couper! Ah! Eh ben voilà. Eh ben, il y en a une qui va péter un cap qui s'appelle Mélie. Et il avait raison de vouloir se barrer, le petit Arthur, juste avant. Hein. Tiens, tiens. Ah! Regardez qui voilà. Ouais, non, mais. Il ne doit pas vous voir. Ouais, il doit pas nous voir, mais attends. Ici, Amicia. Ma lame est encore chaude. Ta gueule. Voilà. Alors, on va l'éteindre. On a besoin d'eux. Voilà, parfait. Et là, normalement, j'ai juste à faire ça. C'est parti. Il est où? Il est là-bas. On va attendre qu'il arrive. Père ne s'est pas caché. Non! Il est mort. T'es sûr? Coucou! Enfin. Il est bête, hein? Allez, tiens, prends ça, enfoiré! Haha! Alors, on fait moins le mal. Il est sérieux? T'as mangé des Kellogg's, toi, hein? Il sait où on est? Très bien. Très bien, on va jouer. Il faut égal que je lui égal. Faut que je lui enlève sa instinct whiz. Il les a tous tués. Ouais, je sais, pas doute. Je sais que vous êtes là, tout près. Il est où? Voilà. Je vous avais dit que je vous trouverais. Eh ben! Oh non! Oh non! Il est pété! Bah ouais, t'es pété, gars, t'es pété. Hein. Non mais, et sérieux?
Il a mangé des Kellogg's, lui. Hein. Rien. Il bouge eh ben. Vite, comme des cafards. Merci, c'est très gentil. Ok. Vous sentez ça? C'est l'odeur de ceux qui se sont sacrifiés pour vous. Voilà. Donc vous maintenant. Allez, ne bougez pas. Ne tiens. Bougez pas. Oh non. Il se fait pas bouffer. Oh non. Mais c'est pété du cul, hein. Comment il peut faire ça? Il faut pas qu'il boive. Bah ben oui, je sais. Il faut pas qu'il me boive. Mais vu que le jeu est complètement buggé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ouais, il va plus vite que nous en armure. Ok, d'accord, bon. Alors, il va falloir qu'on arrive à la voir de derrière. Ça risque d'être un tantinet compliqué. Où êtes-vous passé, hein? Et j'ai plus d'instinguis. Ok, d'accord. Ça part super vite, hein. Ah non, il rallume tout. Voilà. 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 Boum. Deux fois. Normalement, il est mort là. Tout le monde meurt de ça. Mais sérieux? C'est l'enfer qui viendra à vous. Ouais. Non, bah en vrai, il est mort là. Il a pris le mort aux dents normalement. Voilà. Il est où? Voilà. Venez à moi. Allez, hop. Oh là là, là j'ai géré. Allez, là tu meurs là. Là tu meurs, gars. Ah yes. Voilà. En vrai, t'es mort, gars. Tout le monde meurt dans le jeu de ça. On l'a eu. Rien à foutre. Arthur. Yes. Non, non, non. Arthur. Ah oui, merde. Je vais les tuer. Je vais les écorcher vifs. Mélie, je suis... Ferme-la. Arrête, s'il te plaît. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de bannière. Mélie, t'as aucune chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux. Regardez. Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est 5 contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Ouais, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Ils ont changé d'avis en une seconde. Jusqu'à la mort. Mais sérieux, vous avez 12 ans? Jusqu'à la mort. Non mais même Hugo, mais on n'est pas en Afrique, c'est pas des enfants soldats, on va se calmer là, oh. Oh là 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 là, le sacre! Oh bordel à cul! C'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Hé, attends! Elle est triste, Mélie. Elle va se calmer. Ah bah en même temps, vu ce qui vient de lui arriver, oui. On peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger.
et pour qu'elle reste en vie. Ouais, surtout. Et les rats. On est invincible. Non, mais faut pas non plus fumer. On n'est pas en Afrique. Eh ben écoutez, les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous a fait plaisir. Petit épisode un peu plus court que les autres. On a affronté enfin le gros boss. Nous allons venger la mort d'Arthur. Nous allons récupérer notre maman. Et nous allons peut-être finir un peu mieux que la bête du Gévaudan. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde!